ADN. Voilà, le genre est génétique, on va dire. Voilà. C'est vous qui nous dites. Soit son identité découle de l'impie, soit son identité découle du créateur. C'est ça. Et ça revient aussi à ce que on partageait là tout à l'heure. Parce que l'autre jour, les autres me rendaient témoignage et on partageait sur le partage qu'on a eu ici. Et sur la prière, sur l'alimentation. Sur l'alimentation. Puisque l'impie sait que nous venons au monde avec son gène, qu'est-ce qu'il fait? Il s'alimente en nous. Et plus il s'alimente en nous, plus nous développons en lui ses caractéristiques qu'on voit. C'est ça. Mais maintenant, quand ce retour commence à se faire vis-à-vis du Créateur, maintenant c'est le Créateur qui s'alimente en nous. Et c'est pourquoi au fur et à mesure qu'il s'alimente en nous, puisque celui qui est la force suprême, ça annule l'autre force. Ça fait que plus on se développe en lui, c'est lui qu'on commence à voir. Au niveau des pensées, des désirs, tout. C'est lui qui se projette. Et maintenant, qu'est-ce que tu penserais de ces thèmes liés à la nouvelle naissance? J'ai lu un rabbin juif. Il exprimait le mécanisme, c'est-à-dire tel que le pain doit le percevoir. Mais maintenant, ce qu'il disait, il avait remplacé, parce qu'il parlait bien de la fin, de l'acheminement de la nouvelle naissance dans le grand Shabbat. Oui. Justement ça. Mais maintenant, lui, ce qu'il disait, c'est que ce début-là, il parlait ça, il disait qu'on peut parler de conception d'Elohim et que c'est après qu'intervient la naissance. Oui, normalement, c'est ça. Hein. Il nous a expliqué ça ici. Oui, parce qu'on a la naissance. Parce que si la naissance, c'est le Shabbat, ça veut dire que nous sommes dans une phase de conception. Donc, dans le Shabbat, parce qu'en fait, il faut. C'est aussi facile à comprendre, c'est-à-dire à partir des lois de la nature. C'est-à-dire que lorsque il y a plusieurs phases de naissance, au niveau naturel, bon, déjà, la première phase, c'est lorsque la conscience, l'enfant est conçu dans le sein maternel. Ça, c'est la première phase. Il part de quelque part, il sort d'un univers. Il n'existe pas encore dans le sein maternel. Il existe certainement dans la conscience de quels les parents. Quels sont les parents? Ouais, bien, donc c'est ça. Et puis il va sortir de cette conscience-là, il rentre dans le sein maternel. Ça, c'est, on dit bien, c'est l'embryon. Et qui commence à rentrer dans sa phase de développement, commence à porter les organes, et puis il arrive au terme de son développement dans le sein maternel. Donc il est déjà dans l'univers, mais à partir du sein maternel. Il est déjà dans l'univers. Ce n'est pas quand il rentre ici qu'il rentre dans l'univers. Donc, quand il sort du sein maternel, il rentre ici, il commence à rentrer dans l'univers. On ne peut même pas dire qu'il est déjà rentré. Il est en phase de rentrer dans l'univers. Parce que l'univers a deux dimensions. Il y a la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Il va lui falloir épouser l'esprit de l'univers. On dit qu'il est rentré. Bon, et c'est pour ça que tout ça, ce sont des codes que le Créateur utilise pour nous parler vraiment du mystère de la naissance, comme le monsieur a vu la vidéo, mais comme le monsieur pouvait l'avoir dit. Et maintenant, lorsque l'enfant sort du sein maternel, il est resté lié à son univers du sein maternel par le cordon. Tant que le cordon n'est pas coupé, on ne dit pas que l'enfant est né. Je dis au niveau naturel, hein, c'est quand on coupe.
le cordon, on dit un enfant est né. Si le cordon, l'enfant reste relié au cordon, est-ce qu'il est né? Non, il est en phase de naissance. Je veux dire au niveau naturel. Voilà, et donc là maintenant, il rentre dans la phase d'épouser, il doit rentrer dans l'univers. Comme l'univers est, c'est une conscience, c'est un être vivant. Il faut qu'il épouse l'esprit de l'univers. Et vous verrez clairement qu'au fur et à mesure qu'il épouse l'esprit de l'univers, il se détache des parents. Il se détache des parents. Il devient dépendant de cet esprit. Donc on peut parler de l'entrée dans l'univers. Bah, ça, c'est cela. Et donc, par rapport au Créateur, à notre naissance en lui, parce qu'il est question que nous épousions pleinement son identité en lui. Voilà. Et pendant que nous rentrons dans notre identité, dans notre Père, voyez bien, donc il y a un élément qui nous lie encore à cet univers. C'est ça. Il y a ce corps. Et lorsque l'homme à l'intérieur aura été accompli et qu'il se désintégrera, il désintégrera ce corps pour rentrer dans le corps spirituel, c'est la fin de la naissance. C'est ce qu'on dit, c'est là la naissance. Là, on vous dit qu'il est mûr. C'est-à-dire, on est coupé totalement de cet univers. Donc, normalement, nous sommes dans la phase de conception. Ça, c'est clair. C'est là où on parle des arts de l'esprit. C'est ça. Oui. Et qu'il a mis en nous les arts de l'esprit. Mais ça nous place au-dessus de Satan. Oui, bien, c'est un problème de nature. Hein. C'est pas un problème de. Si vous voulez, l'ascendant sur Satan, c'est un problème de nature. C'est pas un problème de degré. Oui. Puisque l'ascendant sur Satan commence dès que cette fusion a eu lieu avec le Créateur. C'est ça. Il y a déjà l'ascendant sur le Créateur. C'est un problème de nature, de degré. Un problème de nature. Par nature. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. C'est-à-dire que ça nous aide à comprendre comment on ne peut pas dire qu'on commence. Tout comme par exemple, ce mécanisme-là, lorsque l'enfant, parce que c'est une conscience qui rentre dans l'univers, ce conscient émane des parents. Cette conscience, elle émane des parents. Bon, mais simplement, elle est concernée par le dessein du Créateur, parce que la conscience des parents eux-mêmes, si elle sort de qui est sorti à la base, sorti, parce que si vous voulez bien le lien, vous allez voir que ça va vous lier au premier. Le lien de cette conscience qui est concernée. Mais en réalité, ça ne vient pas de... Elle vient des parents. Maintenant, ce qu'on dit qu'elle vient d'en haut, si les parents eux-mêmes sont dépendants de la conscience d'en haut primaire, c'est-à-dire Satan, donc elle vient d'en haut. Tout à fait. Elle porte en elle le germe qui vient d'en haut. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que les parents dépendants de cette conscience intermédiaire, c'est elle qui c'est au travers des parents que cette conscience-là se forme en termes de repères identitaires. Parce que l'enfant va recevoir les repères, une certaine conscience, une certaine idée de lui. Ce sont les parents qui commencent à la leur transmettre. Donc il y a une personnalité qui se construit dans l'enfant. Et c'est comme ça. Et puis progressivement, vous voyez comment l'enfant commence à manifester la personnalité des parents qui elles-mêmes viennent d'ailleurs. Et pour davantage confirmer quelque chose qui disait que l'enfant, ce n'est pas quand il est dans le ventre de la maman. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il commence à exister, il était dans un univers. Ouais. C'est la raison pour laquelle parfois ici, tu vois, on a l'habitude de dire qu'on a les enfants dans les reins. C'est ça. C'est le langage. Quoi. Exactement. C'est ça. Donc, on dit souvent, Dieu m'a donné un enfant. Ça sort de toi, de ce que tu es. C'est tout à fait normal. Vous voyez bien. Donc, ça sort de... De nous. Il est quelque part. Voilà. Comme le Messie est sorti du sein de son Père, il est sorti du sein de son Père, donc ça sort de nous. Donc il est totalement ce que nous sommes. C'est ça. Voilà. À partir des enseignements, je remarquais qu'il exploite juste les lois que le Créateur a mis sur pied pour pouvoir se reproduire. Là, c'est tout. Non, c'est ça. C'est tout. Dans tous les cas, il a mis dans toutes les espèces vivantes le pouvoir se reproduire. Chaque espèce reproduit son espèce. Tout à fait. Ça fait donc que si tu es connecté à la conscience de l'impie, il t'utilise donc pour multiplier. Tu reproduis ton espèce. Ton espèce. Une espèce végétale reproduit son espèce. Une espèce animale reproduit son espèce. Les rats reproduisent les rats. Les lions reproduisent les rats. Les lions, bon, ce n'est pas... C'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu développement, en fait, il y a eu niveau de lien très perfect, très avancé avec le démon, qu'on arrive à croiser les espèces. C'est ça. Au point qu'on peut croiser un chat et un lion.
Oui, plus que avec... chaque espèce reproduit son espèce. Plus que le créateur avait même interdit ça. Tu n'as pas deux espèces différentes. C'est comme ça. D'ailleurs, que c'est pour ça que vous voyez bien, comme toute espèce a des liens mystiques, toute espèce a des liens mystiques, notamment au niveau de l'espèce humaine. Bon, l'espèce qui émane du créateur reproduit l'espèce du créateur. C'est ça. Et l'espèce qui émane de l'autre reproduit l'espèce de l'autre. C'est pour ça que vous arrivez à ce que Paul Bia appelait la république de la pensée. C'est-à-dire que la république de l'identité, de la nature, ou en d'autres termes, conscience universelle. Tout à fait. Conscience universelle. C'est-à-dire que vous trouvez des gens qui pensent de la même façon, qui réagissent de la même manière devant les événements, qui ont les mêmes désirs, qui ont eu la même idée d'eux, qui ont la même, le même sens. Ils donnent le même sens au mot qu'ils utilisent, même si. Le lexique semble être différent, c'est la même identité. Conscience qui est derrière. Oui, donc c'est un problème d'espèce. Oui, c'est comme ça. Les poissons ne pensent pas à leur environnement de la même manière que les lions pensent à leur environnement. Oui, chaque espèce, en d'autres termes, oui, c'est vraiment comme ça. Donc quand vous êtes des espèces qui n'ont pas presque les mêmes racines, vous ne pensez pas le monde de la même façon. Ça, c'est sûr. Vous ne pensez pas votre identité de la même manière. C'est ça. C'est sûr. Donc c'est ça la dépendance identitaire. Donc en fait, dépendance identitaire se révèle aussi dans nos origines. Comme nos enfants découlent de nous, ils sont identitairement, ils sont dépendants de nous. Sur le plan identitaire, ils portent en eux ce que nous sommes. Nous portons en nous ce que nos parents ont été. Sauf le moment où nous sortons de cette liée d'identité pour rentrer dans l'identité du Créateur. Vous voyez très bien, donc il y a une rupture en ce moment-là. C'est pour ça que moi je dis depuis de nombreuses années, lorsque le Père a permis que je commence à percevoir ces choses, quand je rencontre quelqu'un qui voudrait te faire porter les responsabilités de sa perversion identitaire, je lui dis que j'ai une histoire, donc je n'ai pas responsable, je ne suis pas responsable de ton histoire. Pratiquement comment ? Hein ? C'est-à-dire que pratiquement. Mais pratiquement que quand je te rencontre, un mois, deux mois après, tu commences à me rendre responsable, c'est moi qui est responsable, c'est que tu es. Je dis, mais ça c'est de l'ignorance totale. Tu ne veux pas que tu rentres là, c'est ça. Que je suis exactement. C'est ça. Parce que c'est pas toi qui as construit mon histoire et ma personnalité. C'est même moi-même qui ai construit. C'est ça, pasteur, c'est ça. Donc, soyez logique. Comment logique, c'est ça. Donc, tu es terrorisé la personnalité construite dans ton histoire. Dans ton histoire, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça mon frère, c'est ça. C'est ce qu'elle a dit souvent. C'est quel responsable. C'est ça, il faut que je le dise. Bien sûr. Mais il sait que chacun aura selon ses désirs. Mais c'est ça mon frère. Non, en fait, au-delà même de ses désirs, parce que ce que je dis là est d'une profondeur inouïe. Ouais, c'est comme Satan peut te rendre responsable de ce qu'il est. Oui. Mais il porte bien, il extériorise. On pourrait dire, sa personnalité est l'expression visible de ce qu'il est, de sa culture. Voilà. Tu ne peux pas te rencontrer un mois, deux mois après, et puis je te rends responsable de ce que je suis. Oui, c'est ça. C'est pourquoi ils disent que c'est ça, c'est ça. Désir, parce que ça, c'est ce que tu es qui appelle. Ce qui appelle tous ces événements avec toi pour davantage de au-delà de ça, c'est-à-dire ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu rencontres quelqu'un à 30 ans, 40 ans, 50 ans, il a une personnalité construite qui s'exprime au moment où tu le rencontres. Tu n'en es, tu n'y es pour rien. Tu n'y es pour rien. Même si tu l'as rencontré à 20 ans. J'ai dit même à 20 ans. Bien sûr. C'est simplement un exemple que je prends. Mais c'est ça, mais tu veux juste en plus. Je suis certainement d'accord. J'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une phase où il y a quand même une influence? Et donc, quand tu parles de construction, mais dans la phase de construction, est-ce que là, il n'y a pas influence par rapport à, comment on dit, l'éducation par rapport aux parents, par rapport à tout ce qui est institutionnalisé? Mais c'est ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que l'identité que chacun porte en lui. D'ailleurs, il faut comprendre, il faut voir nos origines. N'est-ce pas? Nous descendons, nous avons... pour racine identitaire les parents.
Donc nous portons en nous ce qu'ils sont. Bon, eux-mêmes sont des consciences, à un moment donné, identitairement, au niveau de leur personnalité dépendante, d'une conscience supérieure, on peut dire intermédiaire, qui a construit, qui s'exprime au travers de leur identité. Et c'est ça qu'ils construisent en leurs enfants, c'est ça qu'ils transfèrent. Bon, et puis, maintenant, cette même personnalité dont les racines partent des parents, mais qui a des racines invisibles, elle est renforcée par la société. Par la société, mais quand tu rencontres Franck, les événements permettent simplement que les constructions de ton identité s'expriment, mais il n'y est pas responsable. C'est malhonnête. Tu as compris que je parlais de la, oui, de la période, on va dire, d'initial, en fait, de construction. J'ai très bien compris. Et c'est quand tu rencontres, par exemple, je suis construite, je rencontre Franck, là, ça va s'exprimer. Oui, je veux parler d'un exemple pratique. Il faut comprendre. Mais il ne sera pas responsable. Ça veut dire que... Voilà, là, j'ai compris. J'ai été construit dans ma perversité. Un être cupide. Il y a des désirs en réalité qui sont totalement liés, inspirés par l'impie. C'est ça. À un moment donné, j'ai fait peut-être la rencontre de la sœur sanguine. C'est-à-dire, soi-disant, hein, c'est-à-dire pas la parole. Et la sœur sanguine, peut-être elle peut être garnie de certains éléments extérieurs. Oui. C'est-à-dire que peut-être moi je n'avais pas avant. Et à un moment donné, dans la marche, la sœur sanguine, il savait que malgré le fait peut-être qu'elle était garnie de ces éléments, elle avait dit peut-être un objectif clair atteint. Et plus tard, quelques années plus tard, je commence à dire que non, c'est la sœur sanguine. C'est-à-dire, je commence à historiser vraiment ce que je suis, comme tu dis là. Et après, à un moment donné, je commence à vouloir faire porter le chapeau à la sœur sanguine. Que non, c'est ce qu'elle était ou bien c'est ce qu'elle est qui a eu influencé sur ma... C'est-à-dire, sur mon identité, ça n'a rien à y voir. Exactement, c'est ça. Mais c'est ça que je voulais. Voilà, c'est moi, j'ai une question sur ça, pasteur. C'est pour bien comprendre, hein. Oui, parce que, et on parle des mauvais bergers dans les Écritures, qui sont les supports de l'impie pour troubler les autres. Est-ce que celui-là, qui prend cette position peut-être d'enseignant, et qui dit que c'est le Créateur qui l'a mis là-bas, et pourtant, c'est vraiment l'impie qui l'a mis là-bas pour détruire les gens. Est-ce que dans ce cas-là, celui-là n'a pas été... C'est vrai que personne ne peut empêcher l'œuvre que le Créateur veut faire en quelqu'un. Ouais. Mais est-ce que on peut aussi voir ça dans ce sens où cette personne étant positionnée là constitue un obstacle ou est comme une arme peut-être de destruction. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Parce que peut-être quelqu'un que le Créateur a vraiment un pour qu'au travers de lui il sort les humains de l'obscurité. Ouais. Une autre personne vient avec sa convoitise et après, il se démarque de la personne, il vit cet intrus, commence à vouloir faire porter le chapeau à celui qui est devant comme instrument. Mais maintenant, est-ce qu'on peut aussi voir ça dans un autre sens, que quelqu'un peut se mettre là, que ce n'est pas le Créateur qui l'a mis là, et il se met à détruire les gens, et il utilise peut-être ce même langage. Je ne sais pas. Oui, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est que il faut voir que... à une certaine, quand nous rentrons un peu au niveau historique, hein, et ça c'est important de comprendre, nous n'avons à nos têtes comme guide, très souvent, que les dirigeants que nous méritons. C'est ça. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que il n'est pas possible que là où tu es, tu rentres, tu retournes à la dépendance identitaire du Créateur, qu'il mette à ta tête Satan. Exactement. Pas, tu vois très bien. Parce que, dépendant de lui-même, le Créateur, s'il faut qu'il approfondisse le lien avec toi, d'ailleurs que c'est ça, c'est pour ça que le Messie est notre chef, lui-même ayant pour chef le Père. Donc, pour que nous retournions vers le Père, c'est par lui. Il est notre roi, vous voyez bien. Bon, et à la tête d'un individu comme ça, dont le désir est de retourner, le Père mettra à sa tête quelqu'un qui est sa représentation, dans le but de le ramener. C'est là qu'il conforme au désir. Tout à fait. Bon, lorsque le peuple avait des mauvais bergers, parce que les désirs du peuple lui-même étaient totalement inspirés par un autre, c'est-à-dire que le Créateur. Ça, c'est d'abord un premier élément.
Bon, et lorsque le peuple avait le désir totalement incliné vers le Créateur, c'était très difficile que ce peuple-là ait des gens gouvernés par l'impie. Au niveau de, je veux dire... Oui, je vois très bien. Voilà, donc ça c'est, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est très 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 complexe, voilà. La question que tu... Voilà, parce que j'ai pas, tu vois, davantage... Mais c'est complexe, c'est complexe, justement. Plus c'est parce que je l'ai rebelli même pas, comme je t'achète pas. Voilà, davantage pour être bien éclairé. Parce que parfois, quand on est dans cette quête, on peut rencontrer sur nos chemins des gourous. Je ne sais pas si on se comprend, si oui, c'est possible. On peut rencontrer vraiment devant nous des personnes qui sont vraiment instruites par l'impie, mais que le Créateur finit par nous ouvrir l'esprit. Hein, c'est possible, non? Ça, c'est... Oui, mais dans le sens dont nous avons parlé tout à l'heure, comme tu l'as d'ailleurs souligné toi-même, c'est-à-dire que lorsque, supposons que tu sois vraiment dans la quête, parce que c'est le Père qui vient, quand on dit quête, qui vient dans nos ténèbres pour nous ramener. C'est ça. Donc, il fait que, lorsque nous trouvons un autre chemin, quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui, et qui cherche à nous sortir de la voie où le Père veut nous amener, parce que c'est lui qui vient nous amener, c'est lui-même qui se charge. Voilà. C'est-à-dire que cette personne, au lieu de jouer négativement dans notre retour, le Père va s'en servir pour jouer même positivement. Justement. Je ne sais pas, tu vois. Très bien. Donc, dans le fond, on ne va pas jouer comme nous disions tout à l'heure. Exactement. Qu'on commence à se victimiser par rapport à l'individu. Non, ça c'est vrai. Parce que c'est le Père qui est en train de te ramener vers lui. C'est ça. Tu comprends? Et vraiment, quand on commence à être éclairé par rapport à notre retour vers le Père, généralement, on ne rend plus personne responsable de ce que nous sommes, des événements qui arrivent en chemin. Parce qu'on commence à avoir un discernement qui s'élargit. Le regard du Créateur, que les événements qui arrivent, le Père les permet pour notre retour. Tout à fait. Oui, très bien. Donc c'est cela. Non, c'est ça. Moi, c'est dans ce sens. L'autre, avant, tu prends l'exemple. Moi, je comprends très bien. Ouais. Et même quand on est dans cette quête, on peut se retrouver dans cette victimisation. Mais maintenant, le Père, on peut se retrouver dans ça, puisque c'est. Et c'est une construction. Oui, mais la visualisation montre clairement qu'on est dans les ténèbres. Mais c'est les ténèbres au fur et à mesure, ça part au fur et à mesure, non? Oui, mais on est dans les ténèbres. Oui, mais au moins... Ça veut dire que nous analysons les choses par Satan. Satan n'est pas le Créateur. Nous analysons les choses par les ténèbres. Et en plus, regarde ce que tu disais, ça se confirme même avec le peuple. Quand le peuple, c'est-à-dire nourrit les mauvais désirs, demande un roi. Et c'est là où le Père dit clairement à sa mère que ce n'est pas toi qui régène, mais c'est moi. Et il les a donné un roi qui était conforme à leur identité. Vous voyez, donc, c'est que le langage que le frère tient, je le comprends très bien. Parce qu'il y a, puisque on ne doit pas regarder, et celui qui est devant nous, on doit se regarder soi-même. C'est ça. C'est davantage pour être éclaireur. Parce qu'un autre va se mettre à détruire les gens et utiliser un langage pareil. Je pense que ce que moi je dis est très simple. Hein. C'est-à-dire que. Bon, peut-être que vous me direz que simple pour moi qui le dis, mais en fait, c'est que je vais dire très simple à comprendre. C'est-à-dire qu'avant même de retourner sur soi, je dis bien, moi j'ai des enfants, n'est-ce pas? Bon, au moment où ces enfants, j'en prends conscience qu'ils sont le produit de ce que je suis. Peut-être pas maintenant, ça va se construire, mais dans le passé. Vous voyez bien, moi-même, je portais en moi, à un certain moment, l'identité même de mes parents. Eux-mêmes, qui portaient en eux la personnalité venue d'ailleurs, c'est-à-dire que l'identité de leurs parents, mais c'est une identité qui vient d'ailleurs, d'en haut. Vous voyez, donc ce qui sort de nous, nous avons un croisement entre conscience mâle, femelle, ce qui est la même conscience. Donc, ce qui va sortir vient de nous, avec des ramifications invisibles. Si nous n'avons pas encore de retour total vers le Père, cela porte l'ADN de l'autre. Bon, et ces enfants rentrent dans une phase de construction identitaire qui commence par nous en premier lieu. Nous leur conférons ce que nous sommes et ce que nous sommes qui vient d'ailleurs. C'est cette identité qui va se bâtir en eux. Ça va se fortifier à travers d'autres mécanismes qui sont dans l'univers, l'éducation formelle et le reste. Mais lorsque cette personnalité s'exprime, mais s'il rend quelqu'un responsable demain, ils ne sont pas honnêtes.
Tout à fait. C'est exactement cela. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut sortir de la malhonnêteté, rentrer dans... En soi-même. Oui, comprendre clairement ce que nous sommes. C'est je ne peux pas rendre responsable de ce que je suis, ni Angeline, ni Sandrine, ni... C'est ça. Mais je ne veux pas que quelqu'un me rende responsable de son histoire. Exactement. Mais vous voyez très bien qu'à un moment donné, le Créateur permet que les éléments s'expriment. Que chacun a été compris en toi s'exprime. Mais tu dis que c'est moi. C'est-à-dire que ce soit dans les rapports comme ça, que ce soit dans les événements, dans les situations, lorsque on est confronté aux événements, c'est ce que nous sommes qui a été construit en nous qui s'exprime. C'est ça. Et ce ne sont pas les événements qui sont responsables de ça. Les événements, le Père ne s'en sert que pour te révéler la nature du programme. Pour qu'en réalité, tu acceptes que cette identité soit détruite pour rentrer dans la nouvelle. C'est ça. Surtout pour celui qui comprend et qui comprend cela. Donc, moi, c'est simplement ce que ça me dit. Parce que celui qui comprend, il comprend clairement que... C'est très, très important. Oui, donc, c'est ça. Non, c'est ça. Je dis que celui qui comprend, au fur et à mesure, comprend clairement que tous les événements viennent du Père. Parce que quand vous voyez quelqu'un comme Abraham, pour que nous réalisions encore la profondeur de ce dont nous parlons, c'est-à-dire que lorsque cet homme-là va sortir la conscience de lui, pour rentrer dans la conscience créatrice, porteur de l'identité créateur, vous voyez que la personnalité de créateur en lui a impacté sa progéniture à terre. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire clairement que nous portons en nous ce que nos racines identitaires. Vous voyez très bien. C'est-à-dire, en fait, ce qui est de nature à perdurer, à être éternel, c'est la substance qui s'est introduite en nous venant du Créateur. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui a appelé à être là. Voilà. Donc, il y a quelque chose en nous, une personnalité qui s'est construite, qui vient de l'autre que nous. Qu'il protège lui-même, c'est-à-dire en réalité qu'il nous lie à lui. Et c'est lui qui la protège. Et c'est lui qui, à un moment donné, comme je dis souvent, c'est la malice l'impie, lui se comptait comme le bourreau du Créateur. Il rend le Créateur victime. Il dit, je suis ce que je suis parce que c'est lui. Vous voyez bien? Donc, ça fait que cette dépendance à la personnalité de Satan amène les humains à se victimiser tout le temps. Ils se victimisent face aux événements, ça veut dire qu'eux, ils ne sont jamais responsables de rien. Voilà. Vous voyez, jamais responsables de rien. C'est toujours l'autre qui est responsable. Alors que les événements ne sont là que pour faire émerger les constructions qui sont en nous, ce que nous sommes, pour nous aider à changer de voie. Exactement. C'est pourquoi je disais que pour celui qui comprend, qui entre dans la sphère du Créateur, il commence à comprendre que mais tout travail. Pour l'élever à cela. C'est pourquoi lui aussi supplie le Père pour que les gens puissent sortir dans cette confusion. Dans cette confusion, arrêter de victimiser les uns et les autres. C'est cette confusion qui est derrière les conflits. Qu'on n'a pas compris que les événements viennent faire émerger ces conflits. Exactement. Pour nous aider à rentrer dans le bon repère. Exactement. Voilà, donc lorsque c'est que nous sommes mères, je dis je suis devenu méchant Edgar parce que c'est toi. Voilà. Moi je n'étais pas comme ça avant. C'est parce que tu voyais très bien. Je n'étais pas comme ça avant. Donc, tu as ça en toi. Tu as ça en toi, mais. C'est toi qui as dit le pas à moi, tu sais ma vraie façon. C'est ça. Il dormait encore. Exactement. Il est là. Alors qu'il était là, il sommeillait, il attendait juste le calot pour se déployer. Quand il m'a commencé à me révéler qui je suis vraiment, j'ai commencé à dire que mais c'est tel. Et quand il m'a même dit un jour que le serpent t'a mordu, je t'avais dit que le serpent devait te mordre. Et pourtant, elle me montrait clairement qui je suis réellement. C'est ça, mon frère. C'est un partage très profond. Hein. Mais c'est pas qu'il aime se cacher. Mais ça fait quelques années que j'ai dit aux gens, aux gens, mais vous ne faut pas me manipuler. C'est ça. Je ne peux pas vous rendre responsable. Voilà, je connais. Oui, parce que c'est de la manipulation. C'est la manipulation. Oui, c'est ça, mon frère, c'est exactement ça. C'est la manipulation pure. Je dis, moi, je ne peux pas vous rendre responsable. Ça, je ne peux pas vous rendre responsable de mes travers. Ça veut dire que je ne suis pas honnête. C'est cela, mon frère. Pour rien. Pour rien. C'est très vrai. Non, comme ça. C'est cela mon frère. Donc, ou alors vous rendre responsable de ce que le Père construit en moi, sa personnalité. Mais vous n'y êtes pas. C'est ça. Donc, c'est pour ça que quand on le comprend, tu peux le remarquer personnellement, on n'accuse plus personne. Personne. Voilà, ça c'est vrai.
Parce que quand vous voyez, Jean-François, si vous observez très bien, malgré que, c'est-à-dire que le temps que je passe avec une proximité un peu élargie, c'est-à-dire distante, enfin un peu éloignée, bon, ce qui est clair, que ce qui se construit en le transmettant, vous pouvez voir que le raisonnement, la vision des choses, le regard, c'est ça qui peut s'exprimer. Vous voyez, c'est-à-dire que malgré qu'il y a une petite, disons, vous pouvez voir l'influence. Donc c'est comme ça, c'est qu'en réalité, ce que nous sommes, ce que nous sommes, jusqu'au moment où il y a rupture, parce que quand nous sortons de la lignée des humains, c'est-à-dire le règne humain, dont l'autre est le chef, pour entrer dans le règne du Créateur, nous, progressivement, nous ne portons plus en nous rien du règne de l'autre. On rentre dans le règne du Créateur. Nous sommes porteurs de germes. Mais tant que nous sommes un produit du règne humain, nous portons en nous les germes de nos parents. Personnellement, et derrière, c'est le but. Donc, on peut pas, tu ne peux pas rendre responsable quelqu'un. Non, exactement. Oui. Le responsable, c'est celui qui est assis en toi. C'est comme ça. Après, il dit, mais je suis à moi. Je suis...